was thinking about you. Allez, Mika. Vas-y, Mika. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, bullets from the dark, helpless I surrender, shackled by your love, holding me like this, with poison on your lips. Oh, ce regard. Allez. Allez-y. Silence is so hard, 'cause it was almost love, it was almost love, it was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows cold, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I can see. It was almost love, it was almost love, it was almost love. Oh, je te laisse pas tout seul, là. Ouais, il s'est tombé. Ouais, ah, super. Oh, oh, oh. Salut. Bah, t'aurais dû appuyer avant, même. Et les mecs, c'est une rockstar, lui. Ah oui, tu m'étonnes. Là, je comprends mieux le public. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ah, alors t'es québécois. Je suis québécois. Ouais. Ah. Je suis québécois. Que ce soit bien clair, tout de suite. C'est pour ça que tu chantes le rock comme ça. C'est parce que t'es québécois. Ouais. Je suis québécois. T'arrives à chanter le rock, bah oui, comme ces Américains, quoi. Mais tu parles parfaitement le français. Ça tombe bien. Ouais. Et comment tu t'appelles ? Simon. Et t'habites où ? T'habites en France ou au Québec ? J'habite à Montréal. À Montréal ? Québec. Ouais. Alors t'es venu pour faire cette performance ouais, ce soir ? C'est la première fois que je viens à Paris et... Eh ben t'as bien fait, t'as bien fait de venir. C'est beau, c'est vraiment beau. Écoute, on n'a pas trop de gens qui chantent de cette manière-là. Tu y vas tout droit, tu te poses même pas des questions. Mais on sent qu'il a l'expérience de la scène, j'ai l'impression. Exactement. Fais mon métier, c'est d'être chanteur dans la vie, donc. Ouais, c'est ça. Et tu chantes où ? J'ai fait La Voix au Québec. Ah ouais ? Ouais, The Voice, mais au Québec quand même. Et t'as fait quoi alors ? Ça s'est bien passé. T'as terminé comment ? Ouais, ça s'est bien passé. Je me suis rendu au direct, donc je souhaite aller un peu plus loin encore. Ah bien. Moi, je veux savoir une chose, c'est que tu sais pourquoi t'as pas été au bout là-bas ? Je crois que c'était peut-être un manque d'expérience, un manque de vision peut-être. Et donc tu penses que là, tu... Je suis plus posé. T'es plus posé ? Ouais. Avec cette chanson, c'est... Oui. Ouais. Non, mais attends, mais surtout... Là, t'as été... Attends un instant, mais surtout, plus que plus posé, t'es plus prêt. Exactement. Ah ben, exactement. C'est ce qu'on a entendu. On a entendu trois voix. Ouais. Avec toujours la même simplicité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'évident où tu ne te poses pas de questions, tu n'intellectualises pas le truc, tu y vas, ça passe ou ça passe pas. Bon, en plus, il se trouve que tu es très moche, bon, ça, c'est pas de ta faute. Mais il y a eu cette première voix qui n'était pas très juste, mais ce n'était pas très grave, il y avait du tissu, il y avait quelque chose de sensuel. La deuxième, un peu plus poussée, sans grain. Mais alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est la troisième voix, là. C'est... incroyable, celle de la fin, l'espèce de puissance phénoménale où on a le camion qui rentre dans le tunnel en marche arrière. C'est l'objectif, on fait d'essayer de vous montrer le plus possible en 1 minute 30, c'est excessivement difficile. Donc. C'est vrai que ce que Zazie vient de dire, c'est en effet ce côté fibre naturelle. Donc quand on entend une voix comme ça, avec autant de diversité et autant de possibilités, bien sûr qu'il y a un moment, tu appuies et tu fais « allez ». Tu viens dans mon équipe et puis tu vas t'amuser à nous montrer ce que tu sais faire d'autre avec d'autres chansons, quoi. C'est pas super dur. Et puis t'es plutôt en effet prêt. Parfait.
Alors maintenant... Et là maintenant, Simon, il va falloir que tu comprennes tu aussi choisis. Qui choisir. Au fait, merci de votre confiance aveugle. Comment dire? Je pense que je vais y aller avec Mika. J'aimerais beaucoup travailler avec toi. Parfait. J'attendais pas ça, franchement. Ça fait plaisir. C'est un peu l'objectif. Merci. Merci de me faire confiance. Ça, c'est... ça va être une super équipe. Une bonne tête.